Hey, salut à vous auditeurs de Code QG, c'est Monsieur Big Beben, et aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 1, le tout premier Call of Duty que j'ai pu toucher sur PlayStation 3, tout simplement pourquoi ? Pour vous proposer un assez bon gameplay selon moi, un gameplay à la Scorpion, donc sur la map Nuketown si vous l'avez pas reconnu, à la Scorpion chargeur amélioré avec pillard bien entendu, parce que sinon il n'y a pas assez de balles dans cette arme, malheureusement, avec Blackbird, Artyre d'hélico, Chien d'attaque, j'ai oublié les atouts, Passe-passe pro et marathon pro. Marathon pro pourquoi ? Parce que je suis un malade et parce que je veux courir dans tous les sens. Parce que cette arme, elle est valable uniquement pour le corps à corps. Allez, la moyenne distance, ça peut des fois faire le taf, mais non, moi franchement, je préfère y aller au corps à corps. Et vous allez voir qu'à certains moments, j'ai vraiment eu chaud. Heureusement que cette partie, je l'ai fait avec un collègue à moi. Un collègue à moi qui s'appelle Thomas59261, que d'ailleurs, je lui tiens à lui passer vraiment une grosse dédicace. Il m'a bien aidé lors de ce gameplay. Vous allez voir qu'à certains moments, trois fois lors de ce gameplay, il m'a sauvé la vie. Donc ça me fait vraiment plaisir. Bref, on est déjà en série. Vous voyez, on est déjà en série. Donc pourquoi est-ce que je vous propose aujourd'hui un gameplay à la Scorpion ? Pourquoi ? Tout simplement car sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de faire une série. Une série qui est rentrée les chaînes d'attaque. Donc vous allez me dire, ouais, les chaînes d'attaque, c'est assez facile. Écoutez les amis, vous avez Black Ops 1. Si vous l'avez pas, malheureusement, achetez-vous-le. Allez, vous l'avez pour 10€. En forçant, je pense que vous l'avez à 10€. C'est un très bon jeu selon moi. En tout cas, je vous le conseille grandement. Vous allez me dire, c'est facile de rentrer les chaînes d'attaque. Honnêtement, retournez sur Call of Duty Black Ops 1, donc sur PlayStation 3 en l'occurrence pour ma part. Vous allez voir que c'est vraiment très compliqué de rentrer les chaînes d'attaque avec des armes compliquées, donc comme la Scorpion bien entendu. Au passage, vous avez vu que mon pote m'a dit donc sur le gameplay, attention Beben, derrière toi. Je me suis retourné et j'ai pu tuer un ennemi, et attention, j'ai pas tardé à me retourner. Voilà, je me retourne et je tue le deuxième ennemi. Merci à toi en tout cas, Thomas59261. Honnêtement les gars, avec tous ces hackers, tous ces lobbies, tous ces... À la limite, vous me direz, lobby prestige, prestige 15 avec 10 milliards d'argent. Vous allez me dire, ouais, bon, on s'en fout un peu. Attention, je suis one shot. Encore Thomas5261 qui m'a aidé. Merci à lui. Mais honnêtement, tous ces lobbies invisibles, invincibles, ça pollue le jeu. Sachant que si on a une arme assez compliquée d'utilisation comme la Scorpion, c'est de plus en plus dur. Au passage, vous avez vu, j'ai mon Yui, j'ai mon Artyre d'hélico, mais il y a quoi au-dessus de ma tête ? Il y a un Cobra, donc je me suis dit, allez, on va quand même essayer d'entrer les chiens d'attaque. Donc là, j'avais vu le mec en bas, je descends, je rentre mes chiens d'attaque, donc je suis en série de 11-0. Je vais attendre, bien entendu, caché derrière le lit avec mon collègue qui me protège de manière que je fasse un perfect, donc sur cette carte Nuketown. C'est quand même assez compliqué de faire un perfect. Bon, vous allez me dire, quand t'as ton Artyre d'hélico, tu peux largement spawn kill les ennemis, voire même les spawn trap. Donc ok, là tu peux faire beaucoup de frags. Mais par contre, je vous dis que s'il y en a un qui rentre à la maison et qui vous a vu derrière le lit, il a vite fait l'ennemi de péter votre série. Bon, en tout cas, forcément, vous allez voir un gros carnage à l'Artyre d'hélico, avec mes chiens d'attaque, bien entendu, aussi un gros carnage. Voilà, la partie est déjà finie, je vous ai pris 4 minutes. Excusez-moi, je vous ai pris vraiment 4 minutes. Mais bon, 4 minutes dans une vie, c'est quoi ? Allez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous conseille juste de laisser un petit j'aime. Si le commentaire vous a plu, si Code QG vous plaît, laissez un petit j'aime les amis, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à passer un petit coup d'œil là sur ma chaîne YouTube. Cliquez, ça vous prend, allez, 2-3 secondes, le temps que la page Google elle cherche et vous accédez à ma chaîne. Ça prend, allez, 3 secondes. Un petit subscribe, un petit abonnement les amis, ça fait toujours plaisir si vous voulez voir la suite de ma série avec les fusils mitrailleurs, les fusils d'assaut, les fusils à pompe, les snipers, que je suis vraiment nul. Sur Call of Duty Black Ops 1. Allez, merci à vous, bye tout le monde. Et on termine quand même sur un score de 34-0 avec une victoire, comment dire, on les a un peu pété. 7500, 2700. Bonne journée, bonne soirée à vous les amis, et merci d'avoir regardé. Merci Code QG, bye.